Alright, todos y gracias por seguirme en mi canal. Hello everyone, and thank you for following me in my channel. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne NIP PUB. Je vous remercie, chers abonnés, de me suivre. En cette période de confinement, nous allons quand même continuer à nous documenter sur Internet. Et aujourd'hui, je vous présente la suite de notre parcours HTML, tutoriel HTML, dans la petite aventure que nous avons commencée ensemble. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les syntaxes, les images. Nous avons vu comment dimensionner une image. Et nous avons vu comment utiliser des images comme des liens. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des formulaires en HTML. Avant de rentrer dans le détail, nous allons d'abord voir les bases d'un formulaire en commençant par les champs de texte. La définition pour un formulaire HTML, c'est des outils qui sont utilisés en web car ils permettent de récolter toute information. Ça peut être des mails, des adresses, des noms. Et la balise utilisée pour construire un formulaire, c'est la balise forme. Les champs de texte. Les champs de texte ont quelques attributs qui doivent être mentionnés pour pouvoir construire un formulaire. Il s'agit du type. Il établit le type de texte, de champ de texte. Ça peut être un texte, un mot de passe. Name donne un nom au champ pour référence ultérieure. Size définit la taille du champ et max length, la valeur maximum des caractères qui peuvent être tapés, peuvent être rentrés dans le champ. Donc comme exemple, nous avons ici name, mettre toujours le type dans input. Ensuite, on a le size qu'on a vu. On a le max length et on a name. Ça, tous ces attributs doivent être utilisés pour construire un formulaire. Allons maintenant ensemble voir l'exemple. Donc ici, c'est le même code. On enregistre. On rafraîchit. Et on a là, name, password. Dans le size, on avait 10. Revoilà. Ici, on a 10. Et le max length, on a 10. Pour le mot de passe, on va laisser à 10. Et ici, on va lui dire 20. Et pour le size, on va mettre aussi... Non, on va mettre 30. Juste pour voir comment ça se comporte, pour jouer un peu. Là, on a augmenté. Ici, on peut taper. Il s'arrête à 20. Parce qu'on a limité la taille à 20. Par contre, ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je continue à taper, mais il n'y a plus rien. Là, pareil, ça a été limité à 10. Et là, ça a été limité à 20. Ensuite, on peut également utiliser l'email. Et la syntaxe est là. On met dans action... MailTo qui permet de générer un nouveau mail sans que l'utilisateur n'ait à saisir l'adresse du mail. Ici, j'ai mis l'adresse que vous connaissez qui vous renvoie au domaine de NIP PUB. Et là, on a le même exemple. Par contre, à la fin, on va lui rajouter une action ici. Pour dire, on peut cliquer sur le bouton pour envoyer toutes les informations qu'on a tapé au préalable. On va tester tout ça. Donc là, on retrouve notre code avec le size, max length et tout. On enregistre. Regardez, à chaque fois, quand je dis on enregistre ici, il y a le petit 1 qui disparaît. Donc, si jamais vous allez sur la page Internet et que vous actualisez et que rien ne se passe, c'est parce que peut-être vous avez oublié d'enregistrer. Donc ici, quand je fais enregistrer, on a le petit 1 qui disparaît. On actualise. C'est normal parce qu'il garde l'information d'avant. Donc là, on peut cliquer sur le bouton Send, mais comme on n'a pas paramétré, il n'y a rien qui va se passer. Là, on met le mot de passe. Oh, il demande de choisir, mais il faut paramétrer. Ensuite, dans les listes et les formulaires, on a également les boutons radio. Les boutons radio sont très populaires, utiles et faciles à utiliser. On l'utilise dans un cadre en fait d'une question avec des choix multiples. Et les attributs à utiliser sont value, qui spécifie ce qui sera envoyé si l'utilisateur sélectionne un certain bouton. Et ici, une seule valeur sera envoyée. Et on a l'attribut name, décide à quel ensemble de boutons appartient le bouton sélectionné. Comme exemple, comme syntaxe, préparer des petites lignes de code et nous allons voir ce qu'on a ici comme résultat quand on va sur Internet dans la page. Ici, les éléments input dans l'attribut type vos radios sont généralement utilisés pour construire des groupes d'options. Vous voyez là, on a input, donc ça construit des groupes d'options parmi lesquelles on ne peut choisir qu'une valeur. Là, pour le bouton radio, on verra tout à l'heure sur Internet, on ne pourra choisir qu'une seule valeur. Et les boutons radio sont représentés par des cercles remplis lorsqu'ils sont sélectionnés. Regardons plutôt un exemple, ça sera beaucoup plus parlant que du texte. On enregistre, on actualise et là, on va choisir saumon et glace. Par exemple, si je viens ici, je dis non, je veux plus glace ou je veux les deux. Si je sélectionne, je perds ma sélection de glace. Donc ici, je ne peux, dans le bouton radio, je ne peux sélectionner qu'une seule valeur. Je valide le choix, ça se remet à 0 et je recommence. Ainsi de suite. Regardons, on peut aussi personnaliser nos titres ici. Si on vous souvenez des cours précédents, dans des vidéos précédentes, je vais par exemple mettre ici un titre H3. Et pour le plat, j'aimerais en fait le démarquer en mettant la balise B. B, vous vous souvenez, B, c'est pourquoi? C'est bold. C'est pour mettre en gras. J'enregistre. Et pour la même page, si j'actualise, regardez ce qui se passe. Vous voyez là, on a un titre. Il s'est démarqué et on a plat. Vous pouvez faire pareil également pour dessert. Et la liste peut s'allonger. Donc vous copiez-collez le même texte et vous changez ce que vous voulez ici pour avoir une liste. Par contre, il faut toujours rester dans la balise forme. Donc ici, vous pouvez rajouter comme ça. Ensuite, nous allons parler des cases à cocher. En utilisant Les cases à cocher, l'utilisateur a la possibilité de choisir une, deux ou plus parmi les différents choix. Donc ce n'est pas comme tout à l'heure dans les boutons radio où on n'avait qu'un seul choix possible. Dans les cases à cocher, on peut avoir plusieurs choix possibles. Et donc on utilise également les mêmes attributs. Ici c'est pas value, c'est value, c'est une erreur. Donc VA, value. On va donc tester tout ça. Enregistre. Donc là, c'est un petit exemple. On va voir ce que ça va donner dans le navigateur. On actualise. Quel type de film vous préférez? Donc là, je peux choisir thriller, action et dramatique. Je valide mon choix. Et ainsi de suite. Romantique, action, je valide mon choix. Vous pouvez également ici personnaliser et mettre du gras du titre ici, soit du H4 un peu plus petit ou du H3 un peu plus grand et ainsi de suite pour que ce soit plus clair. Ensuite, ça c'était l'exemple qu'on venait de voir. On a également d'autres types de formulaires de liste. Ici, là, voilà la différence par rapport à ce qu'on a vu avant. On a l'élément select. L'élément select ici représente un contrôle qui fournit une liste d'options parmi lesquelles l'utilisateur pourra choisir. Donc on aura une liste. Chaque fois on a un petit aperçu ici, mais c'est toujours mieux de voir ça en exemple, en live. Comme ça, s'il y a des bugs, s'il y a des erreurs, qu'on puisse corriger ensemble. Donc là, j'enregistre et j'actualise. Ici, on a dans notre liste et quelles sont les références musicales. Bon, je choisis et je ne peux choisir qu'un seul choix également. On a également ici un autre type de formulaire. Donc là, c'est un bouton sélection liste déroulante en utilisant et aussi la balise select. Toujours en exemple. Enregistre. Une petite remarque, si vous mettez ici par exemple anglais et que là vous avez du rouge, c'est que c'est pas bon. Si jamais il y a quelque chose qui est rouge, il faut se poser la question. On actualise et on peut choisir technique ou bilingue. Donc, niveau d'anglais, niveau de français. En mettant ici des options, on met choisi parce que c'est par défaut, c'est ce qui va apparaître lorsque vous arriverez sur la page sans rien sélectionner. Et on a aussi le français. On peut également avoir des formulaires upload. Un formulaire upload est composé de plusieurs parties. Premièrement, il doit être mentionné que ce formulaire est seulement l'interface. Donc, la partie visible avec laquelle l'utilisateur sera capable de travailler. Par contre, pour créer un vrai formulaire upload, il faut avoir des compétences en PHP. Donc, parce que c'est du code qui va tourner avec JavaScript. Ici, moi, je vais juste vous montrer l'interface, pas vraiment comment ça fonctionne. Il faut tout d'abord établir la taille du fichier qui sera uploadé, recréer le champ dans lequel l'utilisateur sera capable d'écrire l'adresse du fichier ou sera capable de le rechercher dans une fenêtre. Donc ça, ce sont les deux parties qui ne doivent surtout pas manquer lorsqu'on fait une syntaxe, lorsqu'on crée une syntaxe. Regardons maintenant un exemple, ce que ça donne. Rappelez-vous, c'est juste l'interface, donc c'est pas vraiment paramétré. Ce qui fait que lorsqu'on appuiera sur le bouton, on ne pourra pas aller plus loin. Mais vous voyez à peu près comment on construit la syntaxe pour insérer un bouton permettant de joindre un fichier sur Internet. Ensuite, la zone de texte commentaire. Pour créer une zone de texte, il faut spécifier les attributs row et calls à l'intérieur de la balise text area. En termes de caractères, row va définir la hauteur du champ et call la longueur du champ. Il faut pour finir spécifier les attributs de la balise wrap. Et ces attributs sont off, virtuel et physique. Comme exemple, donc ici nous avons row 5 et calls 20. Et on a le commentaire. Regardons sur Internet. Comment ça se présente? On enregistre et on actualise. Donc là, on a à écrire un commentaire. Ensuite, ici, par exemple, je vais lui dire de mettre 50 et ici 10. J'enregistre. Vous pouvez jouer, hein? Vous pouvez jouer avec comme ça pour voir. Vous voyez donc que ça change. Voici donc la fin de la partie de formulaire. Pour la suite de ce petit tutoriel, nous verrons des tableaux. Donc la dimension, la couleur, l'arrière-plan, etc., etc. Pour voir comment ça se comporte. Voilà, c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo. Elle n'était pas vraiment petite comme les autres, mais prenez vraiment le temps d'aller jusqu'au bout. Et pour ceux qui prennent le train en marche, je vous invite à regarder les autres vidéos si jamais vous n'avez pas encore les bases. Mais si vous avez les bases, vous pouvez tout de suite regarder celle-ci. N'hésitez surtout pas à aimer, à partager, à laisser des commentaires. Et si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez que je vous envoie la syntaxe de certaines parties, parce que vous n'arrivez pas à recopier chez vous, ou alors quand vous essayez de copier, ça ne marche pas, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne NIP PUB pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!